Heads up, you. Bon. Je retourne à la maison. Rien. Un petit manche. Un petit combat. Et de la poussière en haut aussi. C'est un RPG, si vous vous demandez c'est quoi comme jeu. Salut MVN, what's up? MVN91, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir, t'en follow. Oh yeah! Hey Adrienne. Je sais pas comment te dire. Il y a quelque chose qui te dérange, ça paraît. Dis-moi, peut-être que je peux t'aider. Ou tu me crois. Tu me croiras pas plutôt. Essaie. J'ai vu un fantôme là-bas. Ou quelque chose de toute façon. Juste après le gros vent. Et ensuite, je l'ai vu dans la cave où j'ai trouvé le ring. L'anneau. Vraiment? Elle est magnifique. Elle a dit qu'elle était le Elven Spirit. Ben oui, tout le monde connaît la légende des Elven perdus pendant la guerre, des vampires tournés en pierre. C'est juste une légende, n'est-ce pas? Je sais pas. Elle a dit que tu peux amener le ring, l'anneau dans la forêt de sang. À une place qui a des ruines qui s'appelle Arui. Salut Star Wars fan! Comment tu vas? She said I received the power of the brain. Attends. Elle a dit que j'ai reçu la force. The break, of course. Je suis pas sûr que ça veut dire. Tu vas me penser folle. Non, non, c'est juste que j'assume que tu n'as pas rêvé cet esprit. Mais pourquoi il t'aurait dit ça? Pourquoi on va pas chez la maison et tu vas te reposer de cette longue journée bizarre? Nous en parlerons à Elder si tu le veux. Oui. Je pense que ce serait le meilleur demain matin. Quand j'ai réussi à enlever ce stupide anneau dans mon doigt. J'arrive vraiment pas à l'enlever, l'anneau, il est pris. Oh, il brille! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je fais l'étrange. Tu viens d'où, mon Star Wars fan? Hey, il est viré en pierre! Hey, Adrien! Es-tu correct? Adrien! C'est pas drôle! Parle-moi! Adrien, arrête de jouer!
Pourquoi t'es toute gris? Parle-moi. Réveille-toi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Oh tabarnache, tout le monde. J'ai besoin de retourner au village. Ah, c'est l'autre côté du village, ok. Tout le monde est comme ça. Oh oh. Pourquoi c'est tellement silencieux? A plus, MVMN. Merci beaucoup pour les spoils, mon cher ami. Merci beaucoup. Oh yeah! À bientôt, j'espère. Tout le village est pris dans la pierre. Tout le monde est tourné en pierre. À cause de ce stupide anneau. Stupide anneau. Horrible anneau. Enlève-toi de moi. Pas vraiment ça que je voulais qu'il arrive. Lita. Hein? Qui? Qui est là? Doran? Tu es correct? Pourquoi tu n'es pas une statue comme les autres? J'ai mon propre chemin. Je me demande la même question. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, Doran, c'est toute ma faute. J'ai trouvé ce ring dans un... cet anneau dans, son... dans la cave. Dans la caverne. Et je l'ai mis dans mon doigt et... Et ensuite, tout le monde est tourné en pierre. Lita... Le Diane Ring, you have the... C'est le Diane Ring que tu as... C'est ça qu'elle m'a dit. Tu l'as entendu? Comment tu sais? C'est juste une question. Avec une... C'est une simple question avec une réponse compliquée. La Spirit Lady t'a dit ça? Je sais, je suis une folle. Non. Pas ce que je pense. Je pense que tu sais quelque chose par rapport à ce qui s'est passé. Et par rapport à ta Spirit Lady. Comment? C'est pas le temps pour la discussion, je suis effrayé. Bien. J'invite à la maison. On sera en sécurité. C'est à Stone Squarry. Au nord d'ici. En dedans des mines. En haut des mines. Je spécifierai quand on sera arrivé. Allons-y. Ayus, qu'est-ce qu'il a dit? À Stone Quarry. Il est une statue maintenant. Voyons, ouais. Oh, je suis tout seul, c'est vrai. Pas penser à ça, là. Putain.
Prends pas de chance, je vais me remplir. Tu le tues là, sinon t'es dans la merde. Yes. Merci Turbo. Que je suis rendu. Oh tabarnak. J'ai bien fait de frapper ça. Yes. J'ai mal fait ça. Ouais, j'ai mal fait ça. Une chance de sauvegarder parce que... Ah! Oh, si j'étais chanceux! Pas du bombard selon moi. Bon. Je suis à Query. Il y a un coffre là. C'est aussi, ils sont arrivés. Je demande s'ils sont encore en vie.
Tu l'as, Turbo? Oh. Bien. Oh, yes. Élixir de chance. Une caverne. Un coffre. Avec 1000 coins. Salut Dragon Ball, comment ça va? Et aujourd'hui, on a terminé deux jeux, mon ami. Ben, tu gèles devant le coffre, toi. Kick dans la face. Oh, c'est ton anniversaire. Bonne fête, Dragon Ball. Dragon Ball, bonne fête. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Fastlane. Bonne fête, Fastlane. Oh, je t'ai eu. Là, je t'ai eu. Espèce de fou. Dans la cave, c'est dans la cave la plus creuse de Dawn. C'est où on est là. Salut Charlie. Ça va, merci. On a terminé deux jeux aujourd'hui, Charlie. Un jeu comme ça en français, ça aurait été plus en style ou pas vraiment? T'as fini Blair... Ouais, j'ai fini Blair Witch Project et j'ai fini... Et j'ai fini Moon of Madness. Ah ben, niaiseux. Hey King Jack, Québec, comment ça va? Alors, tout le monde s'est changé en pierre à cause de l'anneau qu'elle avait trouvé dans une caverne. Donc la caverne la plus creuse,
Ça risque d'être elle qui était à droite. Là. Ça, c'est... ça donne rien, ça. Mais tout ça, j'aurais pu aller là direct ou quoi? Non. Excellent. Ouais, il y a 17 chapitres. Le dernier chapitre dure comme une heure et quart, une heure, rien qu'à lui. J'aurais pu aller là, juste simplement. En tout cas. Colin. Il est supposé dans le... Voyons, il y a de l'eau là. Faut avoir... d'être dans une caverne. Je vais aller un peu plus haut, voir. Ah, mais je suis plus à Querystone, lapin crétin. Querystone, c'est à droite. Stone's Quarry. Alors, ça, c'est. Blood Forest. Ça, c'est là, faut que je vois plus tard. Là, faut que je vais trouver le lapin crétin chez eux avant. Je vais par en bas. Bon. C'est pas là. Voilà. Peut-être là, fallait que j'allais. Ça disait c'est la plus creuse des cavernes. Voilà. C'est là, à côté. Ah, bonne musique, hein? Voyons, t'es pas à bonne place. Ah, il est là. Lita, t'es là. Ma maison peut être seulement attrapée par la mine... chef à un moment donné. Couche-toi, tu passes en dessous de la barricade. On a trouvé, les amis. Ah.
Oh yeah, je suis certain. Chapitre 2! Eldar, wow, cette place, cet endroit, c'est ma maison. J'ai plein d'invités ici. Lita, Daddy, Daddy, Père, Père, merci. Ah, papa, c'est ma faute. Et cet affreux ring, ne me déteste pas. Non, non, Lita. Je suis juste content de te voir en santé et en sécurité. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es pas une statue, toi aussi? Tu as besoin de... Nous avons besoin, Lady Siri Kisu, de dire merci pour ça. Ah, elle! Tous les jours, ça fonctionne. J'ai reconnu cette... mauvais karma magique. Quand t'as tiré des armes. Ça parle quand elle a tiré les flèches. Ça a effectivement marché. Qui êtes-vous? Excellente question. Arménie. Diplomate. Si. Je vais nous introduire. Introduisez-vous. Je suis Lord Arménie du Temple Orléans, Lady Siri Kisu, Barrenman. Et on a été à Eloria pour la défense contre les vampires de la forêt de sang. A changé de. Devenu dernièrement un peu plus agressif. Alarmant. Et nous espérons trouver une raison pourquoi. Ensuite, il y a eu la compétition d'archer. Nous avons réalisé que Lita avait un Elven artefact pour la puissance. Quand tout le monde a tourné en pierre, nous nous étions ici. Elle dit, je suis content de te voir, Doran, même si c'est un turban ridicule. Salut, Downcast. Sting, je suis ici pour m'insulter. Sur mon bandeau. Je suis désolé, mais je vais demander de te partir. C'est vrai. On espère. J'espère que tu vas pouvoir mettre un peu de lumière. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu sais, tu t'en connais par rapport aux les elfes. Puisque tout le monde ici. Et ça, c'est le résultat de Elven, la magie, Elven Magic. Si tu ne l'as jamais vu. J'ai quelque chose à dire. Oui, c'est Lita. Elle a été visitée par l'Elven Spirit un peu avant que tout ça arrive. Ah, vraiment? Un autre maillot à la chaîne, peut-être? Je suis pas certain. J'espère que t'as rien à... Doran, j'imagine que t'as rien à boire ici? Si tu parles de vin? J'ai le malheur, give up. Je l'ai laissé à Orléans, je pense. La figure. Elven Spirit, je dis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Lita a dit, je suis pas sûr, si je me demande si je rêve pas juste à ça. Parce que... Personne ne sait qu'est-ce que j'ai... Et elle parle de qu'est-ce que la fille lui a dit. Elle a collé ceci, le DM's Ring. Elle m'a dit de l'amener à Ari. Ruines, les ruines de Eri et dans la forêt de sang. Elle dit la même chose arrivera à Eloria. Aux personnes des gens. J'essaie d'enlever l'anneau pour lui donner, mais je pouvais pas. Ben, elle a dit que c'était le mien maintenant. Elle parle vraiment de la pierre. La légende dit. J'entends passer. Comment cette histoire? Comment quand tu sors Ils ont défait les vampires. En espérant que le Stone Curse, la pierre les protège. Quand les vampires meurent. C'est juste une légende. Incroyable. Je sais pas. Les personnes de Elria sont des statues. Donc je vois qu'il y a peut-être de la vérité là-dedans. Il est trop tôt pour tout ça certainement. La Stone Curl, Aria Rune, le Diang Ring. J'ai entendu parler à Ari. Mais je ne sais pas. Pourquoi tout ça intéresse les personnes localisées là-bas? J'ai des livres sur le sujet, à quelque part ici. Et ça dit que ça commence. Et je dis, nous deux commençons à lire et décider. Ensuite, qu'est-ce que nous pourrions faire? Quand nous saurons plus, on pourra décider quoi faire quand on en saura plus. Tire Kessou, take Lita, amène Lita dans ma salle. Elle doit dormir dans mon lit. Elle peut dormir dans mon lit. Le reste va avoir vraiment une longue nuit. Elle va aller dormir et nous, on va aller dormir, on va lire. Tu sembles être chanceuse, ma belle. Viens-t'en, ma fille. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais merci d'avoir sauvé mon père. Appelle-moi Siri Kisu. Et c'est plus accidentel tout ce qui s'est passé. Mais je suis fier. Bon sommeil, ma belle. Stupide anneau. Je pense que je peux aller en bas et parler avec tout le monde après d'avoir été au lit. Avant d'aller au lit. Je m'en vois pas vraiment tout de suite.
Une question, où as-tu trouvé le ring? Ben, la vérité, ma belle. Je l'ai trouvé avec, quand moi et Adrien, on va explorer les ruines du Nord. Ah, je vois la raison. Explorer des vieilles ruines, ma belle, n'est pas des jeux. Puis ça, t'avais pas anticipé rien comme ceci. Personne ne le peut, j'imagine. Sauf si tu t'appelles Doran. T'es toujours dans les aventures d'esprit, Lita. Jamais depuis que tu es enfant, t'as toujours été dans le problème. Je peux pas dire si c'est arrivé. Je sais. Crap, je m'en veux plus que ça veut dire. C'est pas ta faute. T'es une victime. Et qu'est-ce qui arrive? Pas la cause. La cause, ok, ouais, c'est ça. La cause, c'est l'anneau. Et le créateur de tout ça. Ça fait pas de sens. Parce que tu as apporté un anneau. Non, pas maintenant. Je sais pas, ma tête tourne. Je pense pas pouvoir dormir. Merci de me l'offrir. Je vais rester ici un peu. Je m'excuse que ici c'est vraiment petit, mais. N'importe quoi que tu veux, je vais le faire. Tout est parfait actuellement. Tu peux vraiment jouer de la harpe. Tu peux l'entendre ou... Ah, Oloria, oui. Pas sûr que ça veut dire. Les gens me typaient pour de l'argent et des bonnes histoires. J'ai toujours aimé la harpe. Est-ce que c'est méchant de vous demander pourquoi vous traversez ou voyagez autant? Non, c'est pas méchant du tout. J'ai traversé à Raphir pour chercher mon passé. Les artefacts. Pour se passer les vieux Elven manuscrits, les artefacts pour les ruines. J'ai sauvé ma harpe, la seule vérité, mon amour, pour les histoires. Et c'est en grande partie pourquoi Lord Amini et sa bande est venue me chercher. Parce qu'ils savaient peut-être comment je serais m'organiser avec tout ça. Mais j'espère, de toute façon. Parler avec la witch, je suis pas sûr que c'est ça. Of witch, speaking of witch. Je vais retourner au travail. Ma maison est Silita. Thank you. C'est ta maison est Silita. Bon. Ok, mais je vais pas tout lire ça. Elle dit, Adrien est devenu une statue, c'est ma faute. Elle dit, je pense pas que t'as besoin de te blâmer par rapport à rien de tout ça. Mais si cela est ta faute, c'est à toi d'aider pour réparer ça. Et sinon, aide le plus que tu peux.
Je fais le terrain, j'arrive pas à dormir. Je pense que tu as probablement à blâmer les elfes pour ça. Pas toi-même. La fille avec les oreilles pointues. Arrête de pleurer, Miss Lita. On a beaucoup de travail à venir. On a besoin de toi plus fort. Peu importe qu'est-ce que ton rôle a joué. Pour terminer tout ça. T'as compris? Oui, j'ai compris. Lita. J'ai venu le border, elle t'a pas fait ça depuis des années. Il a dit, je pense que ça allait bien pour ce soir, je viens te dire que je t'aime. Merci papa, je t'aime aussi. Essaie de te reposer et demain matin... On verra qu'est-ce qui passe. On va réussir à tout réparer ça. Et un jour, peut-être, on va se retourner et on va regarder ça et on va rire. Bonne nuit, ma belle fille. Bonne nuit, papa. Tout ça regarde comme une grève. Quelques heures plus tard. Lady Sirikisu. Je suis furieux, tu me le dis pas. Yes. J'ai entendu Doran et Lord Irony parler. D'aller au arrière rune, Lita a mentionné. Il n'y a pas de raison pourquoi la fille a besoin de savoir quoi, je suis pas certain. Un rêve ou pas, la fille. Elle va finir par savoir qu'est-ce que c'est. Je comprends. Est-il nécessaire qu'elle vienne avec nous? Elle peut nous assister. Et vu qu'elle peut, avec. Lita. La jeune est peut-être jeune. La fille est peut-être jeune. Mais elle n'est pas la moitié mauvaise avec cet arc avec elle. On a besoin de ta fille, nous aide. C'est pas un combattant. C'est une petite fille de 16 ans. 16, Edmund. C'est pas l'âge d'une petite fille. Elle a un anneau. Elle n'arrive pas à s'enlever. T'as pas vu que tout ce qui s'est passé à Aurelia? On a besoin d'elle. Nous allons à Aurelia. Elle vient. Salut, capitaine. Et j'espère. Elle va être forte. Out. Bonne heure le matin. Oh mon Dieu, c'est quoi?
qu'est-ce qui se passe? C'est le combat des vampires. Vampires, arrêtez de vous battre, vieux monsieur. Personne n'a besoin de mourir. Donnez-moi la fille avec l'anneau et tout ça serait fini. Arrête, on va pas te donner rien. Laisse ma fille tranquille. On veut ce ring. Par ce chemin ou par un autre. On n'a pas besoin de l'avoir en vie. Oh, il a mordu! Papa, non! La voilà, l'enfant. Elle vient avec nous. Elle n'est pas capable d'enlever le ring. Vous avez besoin d'elle intacte. Vous avez besoin de moi. De moi pourquoi? Vous êtes des vampires. Apparemment. Qu'est-ce que tu fais? C'est un... Telle fausse pour ça. Membre du Temple Orléans pour des années. Now, t'es un strike. T'es Rukesu. Je peux pas expliquer après les boules. J'ai mis les boules de feu dans son poitrine. Je te trustais, mon bâtard. Je te faisais confiance. Je vais bouger. Apparemment, t'étais capable de faire ça tout le long. Oui. C'est pas bon d'aller nulle part. Qu'est-ce qu'est l'abysse? Je sais pas qu'est-ce qu'est l'abysse. Et personne va me dire, va me parler comme ça. Je suis personne dans cette salle. Je vais te prendre, laisse une force. Je peux pas gagner le combat. De la noirceur, la famille, il y a une voix de Whippers dans la tête de Lita. Asari, Lita, écoute-moi. Je sais que c'est étrange, mais... Pas de power. Le Dianring était forgé dans la lumière et défend les ombres. Tu as bien tué cette force, mon enfant. Sari, tu es où? Quel power? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon amour, à qui parles-tu? Juste arrête de parler et viens avec nous. Défaire l'ombrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Lita, non. Juste cours. Je vais garder occupé tout le long. Nous pouvons... Prends l'artefact et secours. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'anneau, le power, la force. Azathel, Neri, nous allons partir présentement. C'est la lumière. Comment est-ce qu'elle fait de la lumière? Un barrage pour nous. Ça brûle! Mon Dieu! Arrête! Elle a routi, tabarnak. Pas sûr qu'elle assumait de mourir de cette façon.
Et de même, pourquoi ta face regarde à ça? C'est de la magie. The power of the sunlight, the soleil. L'artifice de la force. Forgé. J'imaginais que la force se manifesterait un jour, mais pas aussi vite. Ah, tu savais que ça allait arriver, tu me dis. Comment? Parce que là, je sais pas c'est quoi l'abysse que nous allons présentement. Je suis désolé. De plus, ce que je peux t'expliquer, je peux pas t'expliquer. C'est tout ce que je peux t'expliquer, j'ai pas le temps de t'expliquer. Il y a une porte cachée en haut. Amène Lita avec toi. Trouve la fairy, le cercle de la fée. Dehors dans le gazon. Avec l'anneau, Lita peut l'utiliser. Et je vois ce que je peux faire pour ici. Nous avons au-dessus de 10 différentes théories. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu crois vraiment dans les théories des cercles de fées? T'as besoin de l'aide. Go maintenant. J'expliquerai tout ça une autre fois. Apparemment, Azatel, on a besoin de s'en aller. Il y a juste une raison que je pense. On a besoin de garder Lita vivant. Ah, ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas vraiment sûr. Mais on n'a pas le temps de regarder. Tout ça présentement. Étends ici, ma belle. Allez, on y va. Il y a une porte secrète. Ce chemin. On peut plus retourner maintenant. Tirekisu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon père est correct? Dorian fait qu'est-ce qu'il peut pour lui. Parfois, les morceaux de vampires peuvent être guéris, mais parfois pas. Nous ne devons pas nous inquiéter pour ça présentement. Dorian a une théorie. On a besoin de voir si c'est vrai. Maintenant, reste debout sur le cercle derrière toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je te demande pas de questions. Ne demande pas de questions, jeune fille. Va dans le cercle. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de débloquer la force de ce ring. Si Dorian a raison, tu as besoin d'apprendre comment voler. Vraiment? Salut, je vais essayer, ouais. Salut. Nous allons voir un moment. Dorian explique la théorie des cercles de fées dans les enchantements elven sur la terre. Ça va donner une énergie magique. Et c'est vrai. Cela va te changer en esprit. Tu vas pouvoir flotter. Maintenant, ferme tes yeux. Concentre-toi. L'anneau du Diams fait partie de toi maintenant. C'est la force. Concentre-toi. Comme à la compétition d'Arc. Et juste maintenant, défait les vampires. Je ne ressens rien. Ça fonctionne pas. Well, bon ben.
Essaie de faire pour que ça fonctionne, ma belle. Je peux pas te promettre que la dernière attaque que tu viens de voir est la dernière que tu vas voir. D'accord. Continue, reste focus, reste concentré. That's it, tu l'as. Voilà, tu l'as. Et voilà, tu l'as. Tu peux... Tu peux juste flotter dans les airs, dans ces cercles magiques. Et il y en a que sûrement d'autres sur l'île. Garde tes yeux ouverts. Et si Doreen a raison, tu peux amener d'autres personnes avec toi durant les voyages. Vole de l'autre côté, ma belle. À l'ouest. Suis les patchs pour ce que de la forêt de sang. Et suis le chemin au nord. Cela va t'amener jusqu'aux ruines de Harie. Je vais te rejoindre là-bas après. J'ai besoin de... de m'occuper des autres personnes qui ont été attaquées pendant l'attaque, qui se sont blessées pendant l'attaque. Maintenant, go, vas-y. Fais attention et trouve le chemin des ruines. Le chemin des ruines! Ça va, ouais, c'est une balle de ping-pong, ça? Elle a dit va à l'ouest, moi je m'en vais nulle part. Ah, je suis là, tiens. Jusqu'à là. Oh mon dieu, wow! Bon, ce stupide ring, anneau est pas si pire après tout ça. Sauf que papa va peut-être mourir. Et tout le monde avait tourné en pierre. Donc, j'aurai les réponses aux ruines de Aria dans la forêt de sang. J'imagine que je vais faire ça pour toi, papa. Et sauver ma mère, tout. Et tout le monde. Pour que tu sois fier de moi, mon père. Si jamais un jour tu te réveilles, je promets. Ok. On y va. Tu avais raison après tout ça. Lita a utilisé la force du ring pour s'envoler. Elle est partie à la forêt de sang. Ça va être dangereux. Le territoire de Eria est le premier à avoir tombé au vampire. Je suis pas sûr. Doreen, j'ai besoin de comprendre exactement. Qu'est-ce que tu sais? Comment tu sais? Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas pourquoi tout le monde a viré en pierre. Je sais pas pourquoi les vampires veulent cet anneau. Et comment Abyss... et que Baraman... et au milieu de tout ça. J'ai besoin des réponses à ces questions, Doreen. Tu sais quelque chose que tu veux pas me dire. Thierry Kissou, j'ai étudié pendant des années et des années. J'ai écrit des tomes sur ce sujet. Je peux pas l'expliquer à toi pour le moment. Tu as besoin d'attendre. Nous avons besoin d'attendre. Tu dois me faire confiance. Je t'expliquerai tout quand le temps sera venu. D'accord, Doreen. Je vais rejoindre la fille.
Avant de partir, je pense que tu as besoin de savoir, Lord Harmony est mort. La morsure a été l'a tué. Ça, c'est le père de la fille. C'est un homme bon. Il est mort en défendant des personnes innocentes. Dans les personnes... Et c'est comment il avait... Et c'est comme ça qu'il a aimé partir, je pense. Je pense aussi. Pour le moment... T'as besoin de rester derrière. Bon, je vais aller rejoindre Lita. Je m'attends pas... qu'elle trouve Harry et qu'elle trouve la place tout seul. Et quoi faire pour cette personne? Bon, je peux pas aller avec vous, mais je peux te souhaiter bonne chance. C'était un plaisir de t'avoir vu de nouveau. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera pas... To hold your bread. To wear you, Feral Wim Dorian. Ne retiens pas ton souffle. Je serai toi. Pas trop que ça veut dire. Well, forêt descend. Juste à l'est. À l'ouest, excusez. Pas sûr que ça voulait dire. La forêt descend est juste en bas. Est-ce qu'on va y aller tout de suite? Évidemment pas. Et c'était tout pour aujourd'hui, pour cette aventure de Arafel. Son père est décédé. On a vu le retour des vampires. On a vu un traître.